Esta reunión está siendo grabada. Oye. César. Bueno, este libro lo que tiene es cuando presenta el tema, hay un petit dialogue, ¿oui? ¿Vous voulez écouter? A ver. Hoy tenemos todo. Mejor ni hablo. A ver si escuchan. ¿Qué página? Leçon 17, page 74. ¿Escuchan? Oui. Les pronoms compléments d'objet direct. Tu vois la femme là, sur le banc? Oui, je la vois. Pourquoi? C'est ma voisine. Les enfants l'aiment beaucoup. No se escucha nada. Elle les aide à faire leurs devoirs et elle leur offre des gâteaux. Je sais, écoute. Elle en fait très souvent. Si ou non? Ah, si. Si, si, escucha, si. Ah, yo no. El que no escucha debe tener algún problema de audio. Porque se escucha. Ah, bueno. Moi, elle m'invite souvent pour le café. Elle me donne aussi de la confiture quand elle en prépare. Quand on se voit, on feuillette ensemble le journal. Elle le lit tous les jours. Oh, c'est tout. C'est simplement ces petits dialogues, oui. Tu vois la femme là sur le banc, dit l'homme. Et la femme dit, oui, je la vois. Pourquoi? J'ai là, est en gras. Oui, está en gras, está negrita. ¿Por qué? Porque es el objeto directo, es que reemplaza qué. ¿Qué está reemplazando ahí? El la. La mujer. Ajá. La femme. La femme, oui, es la femme. Y après, dit, c'est ma voisine, les enfants l'aiment beaucoup. Ahí en negrita tienen la L solita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empieza con vocal y también está reemplazando a la mujer, a la femme. A la femme. Bien. Après, elle continue et dit, elle les aide à faire leurs devoirs et leur offre des gâteaux. Ahí tengo les. ¿Qué reemplaza les? A les enfants. Les enfants. Ah, les enfants. Bueno, y acá aparece un indirecto. Leur offre de gâteau. Leur, ¿qué reemplaza ahí? A ellos, a los niños. A los niños, a les enfants. Oui. Et leur offre de gâteau. Et elle en fait très souvent. Moi, je m'invite. Moi, elle m'invite souvent pour le café. Elle en fait très souvent. Ahí c'est en. ¿Qué reemplaza? A la acción esa que ella hace de ofrecerles el gato. ¿Oui? ¿O no? Ajá. Reemplaza de gato. Uh-huh. No, sí. De gato. El pronombre siempre reemplaza un nombre, ¿sí? O sea, un grupo nominal, no un verbo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de gato. El en, en este caso, está reemplazando de gato. Oui. Après, oui. Dit, moi, elle m'invite souvent pour le café. Elle me... A mí. Ajá. Moi, person qui moi. Claro, a moi. Bien. Après, elle continue. Elle me donne aussi de la confiture. Otra vez, me...
moi. À moi, mm-hmm. oui. De la confiture quand elle en prépare. Et elle en... La confiture. À la confiture. Oui. Mm. Elle en remplace de la confiture. Quand on se voit, on feuillette ensemble le journal. Ce. Cuando nos vemos. Claro. Nosotros, claro, cuando nos vemos, dice, on feuillette ensemble le journal. Elle le lit tous les jours. Il le? Le journal. Ajá, le journal. Oui. Bien. Ça, c'est l'exercice. L'exercice 1, oui. Écrivez. Dice, écrivez avec les noms. Complétez avec les noms. Oui. Vous voyez? Oui. Oui. Acá, este ejercicio. Complétez avec les noms. La remplace la femme, les remplace les enfants, le remplace, je ne sais pas, le journal, etc. Oui. Complétez avec le pronom interrogatif. Je vois qui. Oui, à qui en veo. Et elle aide qui? À qui en ajuda? Elle lit quoi? Ajá. Bien. Y después, y acá abajo dice, écrivez la et le devienne. El apóstrofe. Oui, apóstrofe. Quand le verbe qui suit commence par une voyelle. A, E, I, O, U. Dans elle en fait très souvent. Elle en prépare, en remplace. Que cosa? Des gâteaux ou de la confiture. Les gâteaux. Oui. Des gâteaux ou de la confiture. Cuando voy a reemplazar con un, recuerden que, bueno, acá ya viene toda la explicación. Ese era un precalentamiento. Dice, ¿cómo utilizar el pronom complement d'objet direct? El pronom complement d'objet direct remplace una persona, una cosa o una idea. ¿Sí? Il répond a la question quoi ou qui. On l'utilise pour éviter de répéter le nom et on l'écrit avant le verbe. Oui. Entonces, responde siempre a la pregunta qué o quién o quiénes. Oui. Se utiliza para evitar repetir el sustantivo y se escribe siempre antes del verbo. Oui. Entonces, acá tienen esto directo. Directo, que nosotros en realidad teníamos que ver indirecto, pero bueno, para hacer ya un repaso de todo. ¿Sí? Le pronom COD, y acá está el cuadrito que yo hice creo que el otro día, que les mostré, dice me o m apostrophe, ¿sí? Te, después tienen le, l apostrophe, la, l apostrophe, et au pluriel, nous, ce o es vous o les. Y acá vieron que tienen asterisco. Entonces dice, devant une voyelle, obviamente esto ya sabemos que delante de una vocal, del verbo que empieza con vocal, sí o sí, el me, el te, el le, el se deben apostrofar. ¿Sí? Eso es regla. Después acá hay uno que tiene dos asteriscos. Dice, en francés familier, on utilise, on est utilisé à la place de nous. Sí, eso también es algo que ya sabemos. ¿Sí? Bien. Después dice, le pronom COD en. Dice, en remplace un nom précédé de certains articles ou expressions. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda reemplazar con en, debo tener en la pregunta anterior o en la frase anterior o lo que quiera reemplazar, ¿sí? Una palabra, o mejor dicho, la frase tiene que tener un article indéfini, ¿sí? Por ejemplo, un, une, des. Elle en fait très souvent. ¿Qué es que elle fait très souvent? Des gâteaux, ¿sí? Ahí tienen el plural,
del artículo indefinido. ¿Sí? En artículo partitif, esa es otra opción. ¿Sí? Du, de l'apostrophe, de la. Et l'en prépare. Et l'en prépare quoi? De la confiture. ¿Sí? Esa es la segunda opción. Para reemplazar con un. Y la tercera opción sería une expression de quantité. ¿Sí? Expresión de cantidad o adverbio de cantidad. Pas de, no más. Beaucoup de, mucho de. Un verre de, ¿cómo es? Un vaso de. Deux, trois, oui. Verre es vaso, copa, ¿sí? A veces quiere decir vidrio también, ça dépend, oui. Il en mange beaucoup. Il en mange beaucoup. ¿Qu'est-ce qu'il mange beaucoup? Beaucoup de gâteaux. ¿Oui? Oui. Bueno, a ver. Entonces, recuerden. Sí o sí, para reemplazar, o sea, el le, el la, el le, reemplazan persona, cosa o idea. ¿Sí? Porque no podemos decir solamente personas, porque también reemplazan cosas o ideas. ¿Sí? Y el on, para reemplazar con on, tengo que tener o un artículo indefinido, o un artículo partitivo, o una expresión de cantidad. ¿Sí? Para poder reemplazar con on. ¿Sí? Bueno. Dice, écoutez, écrivez le pronom COD. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar y ustedes anoten en el chat si quieren o después me dicen. Exercice 1, page 75. Ah. Tu la vois? B. Elle vous invite souvent. C. Ils en mangent beaucoup. D. Elle nous salue. E. Il l'aime beaucoup. F. Marie les aide pour les devoirs. G. Elle en fait tous les jours. H. Il le lit chaque matin. I. Je la regarde. J. On se voit souvent. Bien. Alors, vous avez noté? Oui. Tu la vois après, qu'est-ce que je dois mettre? Elle? Elle vous invite. Vous savez. Elle vous invite. Invite souvent. Uh-huh. Elle vous invite souvent. Il? En. So. Il en mange beaucoup. Elle? Nous. Nous. Il l'aime. L apostrophe. Marie l'aime. Acá. L apostrophe. L'aide pour les devoirs. ¿Así? Oui. ¿Él? En fait. ¿Il? Le lit. Le. Le. Je. La. On. Bon, pour contrôler, on va écouter de nouveau
Oui, pour les personnes qui n'ont pas fait. D'accord? Et après, vous allez lire. Oui? Marie, le... A ver, écoutez. J'écris Marie. Marie, quoi? Marie, les, non? Pluriel, les. Je ne sais pas, j'ai oublié parce que je n'ai pas noté. Les? Vous disiez que c'est les. Le Marisa, Marisa, vos tenés voz de profesora de francés. Marisa tendría que estar dando clase acá. Ojalá. Ojalá. Bien. Bueno, ahí corregimos este. A ver, vamos a escuchar. On va écouter de nouveau y après vous, devez, vous allez lire. Bien. Écoutez. Exercice 1. 1. Page 75. Ah! Tu la vois? B. Elle vous invite souvent. C. Ils en mangent beaucoup. D. Elle nous salue. E. Il l'aime beaucoup. F. Marie les aide pour les devoirs. G. Elle en fait tous les jours. H. Il le lit chaque matin. I. Je la regarde. J. On se voit souvent. Bien. Très bien. Alors, qui va lire? Anna, Carolina, lis l'exemple. L'exemple, d'où? L'exemple, non, non, tu la vois? Et après, continue Claudia, Marisa. Et... Oui. Okay, professeur. Tu la vois? Claudia, B. Elle vous invite souvent. Marisa. Ils ont mangé beaucoup. Bien. Laura Cuello. Elle nous salue. Bien. Olga. Olga, abre tu micrófono. Olga. La man beaucoup. De nuevo, il l'aime beaucoup. L'aime. Bien, merci. Fernando. Marie les aide pour les devoirs. Les aides. Les oui. Aides. Oui. Les aides. Claudia. Oui. ¿Qué número era, profe? Me perdí. G. Elle en fait tous les jours. Bien. Reinaldo. Il le lit chaque matin. Merci. Carlos. Je le regarde. Je la regarde. Bien. La Catherine. Regarde. Oui, Catherine. On se voit souvent. Merci. Très bien. Alors, on continue avec l'exercice 2. Oui. Maintenant, vous devez souligner la proposition qui convient. Alors, l'exemple dit, qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas. Alors, te, c'est le mot souligné, oui? Alors, je suis en retard. Paul, qu'est-ce que je dois souligner? Paul, matin. La M. Paul, matin à la gare. Bien. Voilà le journal. Vous? Le voulez-vous? Le voulez. Oui. Et je ne parle très fort. Vous? Vous. M. Apostrophe. Apostrophe. Tu fais quoi? Je. Apostrophe. Je t'appelle depuis une heure. Notre chienne?
Nous l'aimons beaucoup. Bien. J'ai perdu mon portefeuille. Tu? Le. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en? On se prépare pour sortir. Louis, tu dois? Mais. Bien. Alors, Carlos, est-ce que tu peux lire l'exemple? Quel numéro? A. Exercice 2, lettre A. Yeah. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas. Merci. Reinaldo, B. Je suis en retard pour matin à la gare. Matin. Attends. Oui. Répétez. Je suis en retard pour matin à la gare. Parfait. Ahora sí. Muy bien. Claudia. C. Oui. Voilà le journal. Voulez-vous? Merci. Fernando. Ne parle pas très fort. Vous m'entendez? De nouveau, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Faites attention au nasal, oui. Et Maritza? Ah, tu fais quoi? Je t'appelle depuis une heure. Oui. Laura Coelho? Notre chien, nous les aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. Ah, il me gusta más. Nous l'aimons beaucoup. Très bien. ¿Qué me falta? ¿Quién no leyó? Moi. Dale. No sé quién es moi. ¿Cómo se pronuncia, profe? Ana Carolina. Carolina, oui. ¿Cómo se pronuncia después de portefeuille? Ah, j'ai perdu mon portefeuille. Portefeuille. Tu le vois? J'ai perdu mon portefeuille. Tu le vois? J'ai perdu, de nouveau, j'ai perdu. J'ai perdu. Mon portefeuille. Tu le vois. Tu le vois? Ah ouais, qui continue? Qui se met? Moi, professeur, Fernando, qu'est-ce que tu dis? Non, si, feuille, portefeuille. Feuille de soja. Billetera, es porta billetes. No, ahí. Pero... ahí está, las dos cosas. Portefeuille, si es billetera. Y es una palabra compuesta, obviamente. Feuille quiere decir hoja, sí. Feuille solita, si aparece solita, es hoja. Oui. Y sí, acá es portefeuille, es una sola palabra, es billetera. Oui. Bueno, ¿qué es que el Ash? Yo no sé pas, quién era que iba a leer. Olga. ¿Qué es que Buffet on se prepara por sortir? Bien. ¿Y alguien que no haya leído? Claudia. Dale. Louis, tu de me regardé quand je te parle. De nuevo. Louis, tu dois. Oui, tu dois me regarder quand je te parle. Ahí está, bien. Qué lindo tu gatito, Claudia. Bien. J'efface. On continue. Bon, dice, remplacer les mots en gras par le, la, elle ou les. Oui. Il regarde la télévision tous les soirs. Il la regarde tous les soirs. Hélène achète le journal à la librairie. Ahí, comment queda? Hélène l'achète à la librairie.
achète à la Nous prenons le bus tous les matins. Nous le prenons tous les matins. Voilà. Nous le prenons. J'admire les belles plantes de votre jardin. Je les admire. Je les admire. Je les admire. Oui. Et Antoine chante toujours cette chanson. Antoine la chante toujours. Antoine la chante. Et regarde souvent la photo de ses enfants. Elle la regarde souvent. Bien. ¿Estamos? Oui. Borro. Dice, écrivez, dice, une devinette à partir de la réponse de mots proposés. Utilisez le, la et l'apostrophe ou les. Devinette, vous savez? Qu'est-ce que non. ça veut dire, devinette? Adivinance. Non. Una adivinanza, oui. Oh. Entonces, bueno, acá, vamos a inventar. Dice acá, el A, porter, mieux voir, réponse, lunette. ¿Sí? On l'utilise. No, este es el ejemplo. On portait moi mieux voir la réponse les lunettes. On les porte pour mieux voir. Oui. On les porte quoi les lunettes. Oui. Alors B. On l'utilise pour voir. Pour voir son. A ver, on l'utilise. On et l'apostrophe utilise pour voir. Oui, c'est quoi le verre? Oui, offrir, c'est que c'est réponse les fleurs. On les offre pour s'excuser. Et on les offre pour s'excuser. Quoi? Le flair. L'autre? On l'ouvre pour chercher un mot. On l'ouvre pour chercher un mot. C'est quoi? Le dictionnaire. Oui. L'autre? On l'utilise pour ouvrir une porte. On l'utilise pour ouvrir une porte, la clé. L'autre? On le prend pour aller à l'étranger. Oh, quelle ligne. On le prend. Pour aller à l'étranger. C'est quoi? L'avion. Oui.
A ver, Carlos, léeme el ejemplo. Le premier, ¿verdad? Oui, oui. On le porte pour mieux boire. Oui. Reinaldo. Quelle lettre? B. Utiliser, boire. On l'utilisait pour boire. On l'utilise. Acá me faltó. Acá me faltó una I. Bueno, ustedes ya saben. Utilise, oui, pour voir. C'est quoi le verbe? Claudia Gaspar. Después Claudia I. Claudia con gato. Claudia Gaspar. C. Lea. On l'offre. On les offre pour s'excuser. Oui, on les offre. Sí, esa L, ah, oui, offre, oui, oui. No suene. On les offre pour s'excuser. Bien. Claudia Gato. On l'offre pour chercher amour. Merci. Marisa. On l'utilise pour ouvrir une porte. Oui. Olga. On le prend pour aller à l'étranger. Ajá, merci. Bon. Ici, associer. Oh là là. Associer les questions et les réponses. A ver, Fernando, lis le premier, l'exemple. Orlando y Sofía son amigos. Oui, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Bien. Ana Carolina, B. Orlando y Sofía aiment leur niveau. Oui, ils les aiment beaucoup. Orlando y Sofía aiment leur neveu. Oui. Ese neveu, acuérdense que tiene la misma terminación que el número 2. Neveu, de, délicieux. ¿Sí? Practiquen, hagan grupitos así de palabras que tengan esa terminación de EU o EUX. ¿Sí? Practiquen. Es una E cerradita. Oui. Leur neveu. Leur neveu. Y esa E de leur es la misma E de neuf, del 9. ¿Sí? Neuf. Leur. ¿Sí? Es un poquito más abierta que la otra, la de neveu, la de deux. ¿De acuerdo? Orlando y Sofía aiment leur neveu. Oui, ils les aiment beaucoup. Les aiment beaucoup. Bien. C. Olga. Vous appelez Sylvain. Oui. Oui, on s'appelle toujours. Vous appelez souvent. Oui. Oui, on s'appelle tous les jours. Non. Oui. Acá. Oui, oui. Vous vous appelez souvent. Oui, on s'appelle tous les jours. Tous les jours. Oui. Maritza. Vous l'appelez souvent. Oui, je l'appelle tous les jours. Fernando, otra vez, no. Fernando ya leyó. ¿Quién no leyó? Y moi, Claudia. No. Claudia, dale. Tu retrouve. ¿Ese cómo se pronuncia? Maeli. Maeli. Uh-huh. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Tu retrouve Maeli. Je la retrouve au cinéma. Je la retrouve au cinéma. Et le dernier? Moi. Moi.
Vous Dale. Avez rendez-vous où? On se retrouve au cinéma. Oui. Merci. Alors, l'autre exercice dit, remettez les mots dans l'ordre. Alors, A, c'est l'exemple, et les mots sont appel, demain, te et je. Entonces, si ordenamos, nos queda je t'appelle demain. Fernando, B, ¿cómo ordeno? Fernando, no le estoy viendo, no sé si está. Reinaldo. Ah, merci. Je. Non, elle. Elle la regarde. Bien. El C. Marisa. Tout à l'heure, on s'appelle. Ah, on s'appelle tout à l'heure. Olga. Vous achetez tous les jours. Claudia y oui. Con el gatito. ¿Quién va? No, él. Les envoie, non, elle l'envoie cet après-midi. Elle l'envoie cet après-midi. Et l'ultimo, a ver, qui va faire? Anna? Oui. On le suban boat. De nuevo. On le suban. De nuevo. On le. Dejen boat. Que piense. On le voit. On le voit souvent. On le voit souvent. Oui. Souvent. On les voit souvent, oui, on les voit souvent. Bien. D'accord, j'efface. Bon, complétez avec le pronom qui convient. Dice, Madame Léonard, je voudrais, l'exemple, non? Je voudrais vous inviter samedi midi. Vous êtes libre? Bien entendu, je... Le remercie de votre invitation. Porque dice, Madame Léonard, je voudrais vous inviter samedi midi. Vous êtes libre, bien entendu. Je vous remercie de votre invitation. ¿Sí? Nada que ver que le digan, je te remercie. No. B, Lise, tu peux... nous attendre. Nous arrivons. D'accord. D'accord, je nous attends. De nouveau. Non, je vous attends. Je,
Le, Porque dice Lisa, tu peux nous attendre. ¿Qué ça veut dire attendre? Esperar. Esperar. Entonces, puedes esperarnos. Nous arrivons. Ya llegamos. ¿Sí? D'accord. Je vous, a ustedes, je vous attends. ¿Sí? Je vous, a ustedes. ¿Sí? No puedo poner ahí, je les attends. Ah. ¿A quién le van a esperar? Si estoy hablando con. ¿Sí? ¿Y por qué ahí no sería je vous attendez? No, porque acordate que el verbo tiene que ir en concordancia con el sujeto. Je o j'attends es el. Ok. Oui, j'attends. Sí. O sea, en realidad, d'accord, j'attends, espero. Eso si no sabemos objeto directo. Ahora que ya sabemos objeto directo, sí, yo los espero a ustedes. Oui, je vous attends. ¿Sí? Ahora, otra cosa sería si, por ejemplo, dice Lisa, tu peux attendre les enfants? ¿Eh? Lisa, tu peux attendre les enfants? Y ahí en vez de nous arrivons, sigue la frase y dice ils arrivent, ils, les enfants, arrivent. Entonces ahí Lisa responde, d'accord. Je les attends. Porque ahí les va a estar reemplazando les enfants. ¿Se entiende? ¿Oui? Bueno, entonces el C. Laura, tú le cuté. Me cuté. Laura. Laura, tú me cuté. Ajá, Laura, ¿tú me escuchas? Oui, mamá. Je te écoute. Ay, los hijos. Yo estoy enojada con el mío. Así que, bueno. D. ¿Tú puedes? Les aider. Nous aider. ¿Tú puedes les aider? Ahí más o menos el ejemplo que yo les di arriba. Tu peux les aider. Ils ne comprennent pas l'exercice. ¿Eh? Tu peux les aider. Ils ne comprennent pas l'exercice. Bien sûr, je vais. Les aider. Les aider. ¿Eh? Je vais prendre un café chez Sophie. Tu? Tu la connais? Ah, tu la connais? Oui. On se voit souvent chez le coiffeur. Oui. Bien. A ver, Claudio, ¿es que tú puedes leer letra A? Claudio, ¿tú eres A? Claudio, perdón, dijo o Claudia. Claudio. Letra A de ejercicio. Oui. Set. Oh, set, oui. Me, Leonard. Madame. Oh, madame. Madame Leonard, je voudrais vous inviter samedi midi. Vous êtes libre? Bien, entendu. Je vous remercie de votre invitation. Ajá, oui, de votre invitation. Alors, faites attention. Au liaison, oui, vous invite. Vous invite, acá, vous invitez, perdón, vous invitez, oui. ¿Sí? Acá. Vous êtes, ahí sí hiciste la liaison y acá te olvidaste. Vous invitez, merci. Ana, B. Liz, tu peux
nous attendez? De nouveau. De nouveau. Tu peux. Acordate de neveu. Tu peux. Tu peux. Nous attendez. Attendre. Ay, se me trabó la lengua. Liz, tu pu nous attendez. Nous arrivons. D'accord, je vous attendez. Je vous attends. De nouveau. De nouveau. Répétez avec moi. Liz. Liz. Tu peux. Tu peux. Nous attendre. Nous attendre. Nous arrivons. Nous arrivons. D'accord. D'accord. Je vous attends. Je vous attends. Bien. Acá estos ejercicios tan buenos, aparte de, merci Ana, aparte de los, del, ¿cómo es? De los pronombres, objeto directo, indirecto, está bueno, están buenos para practicar las liaisons, ¿oui? Mm-hmm. En todos estos, donde aparezca vous o nous o le, y siga un verbo que empieza con vocal o H, la liaison es obligatoria. ¿Sí? Entonces, feta atención a esa. ¿Sí? Presten atención a eso. ¿Sí? A ver, Fernando. C. Fernando, ¿tú es la? Sí. Lore, ¿tú me escuchas? Oui, maman, je t'écoute. Ajá, sí. No hagas con voces de, con voz de hijo. Je t'écoute, maman. Bien, Marisa. Ah. Tu peux les aider? Il ne comprend pas les exercices. Bien sûr, je vais les aider. Merci. Olga. Je vais prendre un café chez Sophie. Tu la connais? Oui, on se voit souvent chez le coiffeur. Ajá, merci. Merci. Bon, continue. Ah, hoy me está faltando alguien acá. La Rosarina, la profe de historia, ¿cómo se llama? Ay, bueno, ya se van a acordar ustedes también. Me acordé de ella. Se aloja, remplace le mot en grap. ¿Eh? ¿Mabel era? ¿Mabel era? Ay, no me acuerdo, la profe de historia, la de Rosario. Bueno, dice, vous avez de pêche, vous en avez. Hasta yo, es un trabalengua esto. Vous avez de pêche, vous en avez. Bueno, on doit remplacer par un. Je voudrais de la glace. ¿Cómo queda ahí? Je voudrais. A ver. Vous voudrez. Je. Je voudrais. Je se voudrais. Je se voudrais. Jean voudrait. Jean voudrait. Oui. B. Et là, des frères. Elle a des frères. Elena. Elana. Elana. Oui. Elana. Vous buvez du café? Vous? Vous en buvez. Oui. Tu as de l'argent? Tu en as. Je voudrais des timbres. J'en voudrais. Ils veulent du fromage. Ils en veulent. Bien, a ver, Marisa, léeme el ejemplo. Vous avez de pêche, vous en avez. Uh-huh. Olga.
a je voudrais de la classe las j'en voudrais. Uh-huh. Reinaldo, el B. El A de Fre, el en A. El en A. Ajá. Fernando, C. Sí, vous voulez du café? Vous en voulez? Vous en buvez. Vous en buvez. Vous en buvez. 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 Vous en buvez. Vous en buvez. Buvez. Ahí está. Laura, Laura está. Yo voy diciendo nomás, pues no lo estoy, no los veo, así que los nombres que me aparecen en la cabecita. Laura. Désolé, je suis en train de conduire. Ah, bon, bon. D'accord, continue, continue. okay. Claudia, Claudia. Oui. Claudia, ¿eh? Con gatito. Ay, bueno. No, perdón. No importa. Claro que hay dos. Yo Claudia. Tengo alergia a los gatos. No, claro. Sí. Claudia con gato y Claudia sin gato. Bueno, a ver quién. Pues parece que el gato a mí me hizo alergia. También tengo alergia a los gatos. Me empezó a picar el ojo. Porque me va a quedar Claudia sin gato. Je voudrais bueno, de timbre. Je voudrais ajá. De timbre. Je en voudrais. Ajá, de nuevo, je voudrais de timbre, timbre. Je voudrais de timbre. Timbre, timbre. Esa nasal, je voudrais timbre. De timbre. Je en voudrais. J'en voudrais. J'en voudrais. Ahí está. J'en voudrais. Ahí está, bien. Claudia, ahora sí con el gatito. Il veut du fromage. Il s'en vole. Ajá. Il en veut. Il en veut. Il en veut. Ajá. Il en veut. Bien. Merci. Y acá en el 9, vamos a hacer el 9, así terminamos con este. Dice: Répondez aux questions en utilisant un. Tu as des enfants? Oui, j'en ai un. Tu as du travail? Oui. Y ahí. Oui, j'en ai beaucoup. Oui. Est-ce qu'ils ont des chiens? Est-ce oui. Qu'ils ont des chiens? Oui. Oh, ils sont. Ils en ont deux. Deux. Elles boivent du jus d'orange? Oui. Elles en boivent. Un beurre. Il faut de la farine pour ce gâteau. Oui. Il en faut. 500 grammes. 500 grammes. Il en faut. Il en faut 500 grammes. Oui. Bien. A ver. Fernando, lis s'il te plaît l'exemple. Bien. Tu as des enfants? Oui, j'en ai un. A ver, de nouveau. Tu as des enfants? Oui, j'en ai un. Tu as
Tu as des enfants? Oui, j'en ai une. J'en ai un. J'en ai un. Todo, todo se dice así. J'en ai un. Toda la oración. Oui. J'en ai un. Oui, j'en ai. Porque acá el un, j'en. Oui, j'en. Pasa que el an es una, ya sabemos que es una a nasal, ¿sí? Entonces, yo les habré dicho en algún momento que las nasales generalmente uno alarga, ¿sí? O son vocales que se allonge, ¿sí? Entonces, al allonger, ¿sí? Al alargar, pero nos permite que hagamos como un enchaînement, ¿sí? Con e, que es la vocal que sigue. J'en ai un. J'en ai un. Y el un del número uno. Un. J'en ai un. ¿Oui? J'en ai un. ¿Oui? Acá tienen para practicar nasales y liaison. Oh, uf. ¿Oui? Bon. Marisa, ve. ¿Tú has du travail? Oui. J'en ai beaucoup. Bien. Olga. ¿Es que el son de Jean? Oui, ils en ont deux. Ils en ont deux. Ah, ils en ont deux. Ils en ont, ils en ont deux. Oui. Claudia sin gato. Ils boivent du jus d'orange. Ils boivent du jus d'orange. Oui, ils en boivent un verre. Oui. Claudia con gato. Il faut de la farine pour ce gâteau. Oui, il en faut 500 grammes. Grammes, bien. Bien, bien, bien. Alors, après... On continue avec, bon, ces exercices. Et dice, écoutez, alors répondez affirmativement en utilisant un. Si quieren, hacemos esto después la clase que viene. Porque después continúa toda una, otra vez, todo un capítulo, digamos, pero con objeto indirecto, que era lo que teníamos que practicar. Pero la verdad que no estuvo mal hacer una práctica con el directo. No sé qué opinan ustedes. Era necesario. Il, oui. Il faut. ¿Cómo era necesario? Era necesario. Bueno. Oui, profe. Entonces. Ya tengo que estamos en la página 77, ejercicio 10. Bueno, muy bien, anote porque ya saben cómo agende, son. Agenden. Bueno, escuchen. Entonces, la semana que viene hacemos esta escucha, ¿sí? Para practicar el on, oui. Y acá hay dos ejercicios que ustedes pueden realizarlos si quieren. Dice, rédigez votre recette de gâteau aux pommes. ¿Sí? Rearme su receta de gâteau aux pommes environ 70 mots. ¿Sí? Utilisez les mots proposés y les pronoms COD. ¿Sí? Acá ya les da las palabras que pueden utilizar para la receta. ¿Sí? Y bueno, y les propone también que usen, ¿cómo es? Los COD, ¿sí? Eso si quieren hacerlo, después que alguien del club me avise que pusieron todos los ejercicios, para que yo les pueda corregir. Si el que hace me avisa, las chicas seguramente me van a avisar si tengo algo para corregir, ¿sí? Y después el ejercicio 12 también es para escribir. Acá en realidad es para hablar, pero yo a todos mis alumnos les hago escribir. Nadie me da bolilla porque nunca hacen. Pero no importa, voy a intentar acá. Dice, imaginez un dialogue entre le vendeur et vous. Sí, acá tienen que inventarse un diálogo entre le vendeur et vous. Utilisez le pronom COD y le mot proposé. Sí, otra vez, toda esta listita de palabras y los COD. Sí. La receta y diálogos fáciles, o sea, simples, ¿sí? Donde ustedes puedan ver y reconocer nada, si van a hacer, ¿no? Nada de andar inventando o recurriendo a cosas que todavía no han visto. Enfóquense en lo que pide la consigna. 70 palabras
Esas palabras que están entre paréntesis en azul, usar, o sea, utilizar esas palabras por propuestas y los COD, ¿sí? Si van a ser así, encantada, les corrijo. Y si no, bueno, igual les voy a corregir, pero mi... Pero ya vas a enojar. Claro, voy a enojar, me voy a enojar. No, pero el tema es que no, que se enfoquen, porque a veces con ganas de escribir más y qué sé yo, ya se van para otro lado. Y en francés, cuando uno ya empieza a poner cosas de, como diría mi profesora de lengua, cosas de su cosecha, ¿sí? ya se cambia el sentido del ejercicio, ¿sí? Entonces, enfóquense en lo que pide la consigna. Lo mismo con el diálogo, ¿sí? Hagan eso, o sea, más vale que sea algo corto con lo que pide la consigna y bien, y no algo todo rebuscado y todo mal, ¿sí? Aparte me complican también la corrección, porque yo a veces digo, ¿y qué quiso escribir acá y por qué? Y ya imagínense todos mis comentarios, ¿sí? Bueno, y eso si quieren hacer el viernes, la semana que viene, escuchamos esta pista y seguimos con los objetos indirectos. ¿Oui? ¿Estamos? Estamos, profesora. Bueno. Bueno, Carolina, ¿vos no tenés frío, mi hija? Todos estamos abrigados acá, mira, la otra con... Estoy en el calorcito, Cali, Colombia. Qué bueno, mira, todos acá estamos friolentos. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos la semana prochaine. Merci beaucoup. La semana prochaine. A la prochaine. Au revoir. A la prochaine.